Le périmètre d'un triangle isocèle vaut 36 cm. La longueur de la base vaut la moitié de celle d'un des deux autres côtés. Question : quelles sont les longueurs de chaque côté de ce triangle ? Étape 1. Soit x la longueur d'un des deux côtés de même longueur et y la base du triangle isocèle. À la deuxième étape, nous rédigeons le système d'équations. Nous savons que le périmètre du triangle vaut 36, donc x plus y est égal à 36, c'est-à-dire 2x plus y est égal à 36. Nous savons aussi que la longueur de la base, donc y, vaut la moitié de celle d'un des autres côtés, c'est-à-dire que y est égal à x demi. Dans l'étape numéro 3, nous allons résoudre ce système d'équations. La deuxième équation nous dit que x est égal à 2 fois y. Donc, dans la première équation, nous pouvons remplacer x par 2y. Ainsi, nous obtenons l'équation 2 fois 2y plus y est égal à 36. Donc, 4y plus y, c'est-à-dire 5y, est égal à 36, ce qui signifie que y est égal à 36 cinquièmes, c'est-à-dire 7,2. Nous savons que x est le double de y, et entre-temps nous connaissons la valeur de y. Donc x c'est 2 fois 7,2, c'est-à-dire 14,4. À l'étape 4, nous répondons à la question posée par une phrase finale. Donc, les côtés du triangle isocèle mesurent 14,4 cm et nous veillons à écrire la bonne unité et la base du triangle mesure 7,2 cm.